Au cœur des ruelles de la cité chaldéenne d'Alkosh, dans la plaine de Ninive, à 135 km d'Erbil et à 40 au nord de Mossoul, l'église Mar Gorgis est considérée comme la plus ancienne de la ville. Elle est dédiée au saint patron le plus vénéré en Orient. Au milieu des dédales des ruelles étroites se dresse l'imposant mur d'enceinte de l'église. Haut de plusieurs mètres, il a sans doute été construit dans un souci de protection contre les attaques. Le site ne semble pas si ancien, car il a été démoli et entièrement reconstruit en 1906. Une fois le porche passé, une grande cour intérieure. Au fond, un petit autel en l'honneur de la Vierge attire le regard. À côté se trouvent les tombes des prêtres et des serviteurs de l'église. Elles sont gravées d'épitaphes en syriaque, en arabe et en français, témoignant ainsi de la présence missionnaire française à Alkosh au XIXe et XXe siècle. Il est écrit ici, ce tombeau, on a fait ce tombeau en 50 dinars. Vous savez, 50 dinars, en ce temps-là, c'était un grand prix. Oui. Sur le côté, l'entrée de l'église principale. L'église Mar Gorgis est un édifice classique à trois nefs, porté dans son axe central par des piliers de marbre qui supportent une voûte en berceau. La porte royale, en arc plein cintre, est complétée par deux portes latérales plus étroites qui conduisent à des autels dédiés à Marie et à Joseph. Sur la gauche de la porte royale, des épitaphes signalent l'emplacement des reliques attribuées à Saint Georges. Sur son cheval blanc, Georges transperça de sa lance le dragon qui menaçait la ville de Silène en Libye et libéra ainsi les habitants. Saint Georges est devenu une figure de l'Orient chrétien. Il est écrit ici, c'est le sang de Saint Georges fort. Quand il est devenu chrétien, il est devenu pour prier et adorer notre Dieu. Derrière cette porte royale, le maître-autel de marbre. Il est adossé au mur oriental de l'édifice dans le respect de la tradition originelle de l'église de l'Orient, avec la particularité de pouvoir être utilisé dans plusieurs rites. Maintenant, le prêtre peut faire la masse, son dos pour les gens, ou il peut le faire aussi en face tous les gens. Cette église est aujourd'hui très vivante. Les habitants d'Alkosh y viennent régulièrement pour prier et célébrer. Beaucoup sont d'ailleurs investis dans la vie de leur paroisse.
أخني فرقديا مؤسسته بشتى 2003 و8 وأنا من أوائل أعضاء اللي يحضنه.